Capitaine Berthaud. Bonjour. Bonjour. Docteur Cotet, je suis le chef du service. Hi, my wife. She took the early plane. You haven't seen her, have you? Cute as hell. About so high. Oh, God, okay. Bien sûr, on lui a dit, mais il n'a pas eu de réaction particulière. Ça arrive parfois avec les schizophrènes. Pourtant, il aimait vraiment sa sœur. Elle l'a soutenue quand ses parents l'ont fait interner. Elle venait souvent? Toutes les semaines. Elle arrivait à le calmer un peu, enfin c'est relatif. Hein. C'est quelqu'un de très opposant, vous allez voir. On fait un bout de chemin ensemble. On se retrouve devant un café. À épier les petits secrets cachés du visage de l'autre. Un pli au coin de la bouche. Une fossette. Une contraction de la paupière. Des réminiscences dérisoires qui poussent une larme au bord de l'œil. Eh ben non. J'ai pas bougé. Hello, folks. We're into the follies. First of folks, we'll pause for a moment. On se calme tout de suite, monsieur Delorme. Je peux me calmer, je peux pas me calmer. Ne me foutez pas vos médocs ou je vous fous un procès. Qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas au spectacle ici. So, you wake up hungover. Or you wake up in the funny form. It's all the goddamn same to me. Écoutez, je le trouve très agité. C'est peut-être sa manière à lui de réagir à la mort de sa sœur et de sa nièce. Revenez plutôt demain, on va le sédater. I knew it. Hey Margie, I blew it. I don't love the right girl. Et j'ai soudain pris conscience de ma gloire internationale naissante. Ben non, je plaisante. C'est la feuille de service. Le soir du meurtre de sa sœur et de sa nièce, Olivier est au réfectoire pour le dîner. Après le dîner, les portes sont verrouillées jusqu'au matin. C'est impossible de quitter le service pendant la nuit. We're gonna go and get some rest. And then we're gonna make plans for tomorrow. L'histoire s'arrête là. Point final. You will see where we all soon will be. Jesus!